Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Guidance de notre 18 au 22, semaine du 18 au 22 décembre. Eh bien voilà, Noël approche à grands pas. J'espère que pour vous tout va bien, que tout se prépare correctement. Eh bien écoutez, nous voici pour nos signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, on va regarder un petit peu les énergies qu'ils vont traverser notre semaine. Alors, pour chaque jour de la semaine, on va prendre, j'ai pris l'oracle des rats, on va regarder un petit peu quelle énergie, quel le mental, enfin voilà, comment ça se passe un petit peu pour chaque jour. Ça fera un peu l'histoire de la semaine également. Nous regarderons avec le Normand. De professionnel, de sentimental, de financier, de l'imprévu. Et par signe, nous regarderons bien entendu avec l'oracle d'Aïe. Avant, auparavant, nous prendrons une petite carte de l'oracle des fées. Et bien voilà, c'est parti. On s'installe, on écoute. N'oubliez pas de regarder soleil, signe solaire, lunaire, ascendant. Et surtout, les amis, de ne prendre que ce qui vous parle. C'est important. Alors, lundi, qu'avons-nous lundi? Lundi, c'est le temps. Alors, lundi, va-t-il être question encore, peut-être de patience, de vous demander d'attendre un délai de quelque chose. On va peut-être apprendre qu'il y a encore un délai supplémentaire sur une situation, quelque chose qu'on ne va pas pouvoir obtenir tout de suite, ou tout simplement ce fameux temps. On attend, c'est quelque chose qu'on n'aime pas ça, hein. Il est peut-être question également d'une période à traverser ou une période, tout simplement, ça peut être une période de repos également, je vous le souhaite, pourquoi pas. Mais ça peut être tout simplement une période où il vous est demandé un break, il vous est demandé de patienter, voilà. On est là dans la temporalité, j'ai envie de dire. Hein. Mardi, le silence. Le silence, quelquefois, j'ai envie de dire, le silence est d'or. Hein. Alors, eh bien, est-ce qu'il y a un... Il vous est demandé de la discrétion dans une situation que vous allez rencontrer aujourd'hui, dans la semaine, ou tout simplement, il peut y avoir aussi une absence de dialogue pour certains, qui dure depuis justement un certain temps. On peut le retrouver comme ça. Mais il peut également qu'il y ait peut-être un secret qui court, et qui va être dévoilé aujourd'hui, ou bien il va peut-être être temps, n'est-ce pas, de dévoiler quelque chose. Mercredi, nous avons le repos. Peut-être qu'on va se sentir soulagé, hein, après avoir dit ou appris quelque chose, tout dépend comment on se place, mais en tout cas, on ressent une certaine tranquillité, là. Alors, tranquillité d'esprit, le calme qui va revenir, peut-être, en fait, par rapport à également son mental, on va se retrouver apaisé si on a parlé, si enfin on a dit ce que l'on avait peut-être sur le cœur, sur sa pensée, ce qui nous enquiquinait depuis un certain temps. Peut-être également que s'il faut attendre pour obtenir quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, enfin, on est soulagé. C'est le repos, c'est la santé, c'est le bien-être là. On va être dans un état d'esprit plutôt cool mercredi. Jeudi, il va peut-être être question d'être un petit peu prudent ou d'avoir une certaine retenue dans une situation. Ça peut être professionnel, familial, lors d'une démarche. On est prudent. On prend un peu de recul ou alors on s'adresse avec modération. Vous avez des gens qui peuvent prendre la mouche quand on parle un petit peu
trop, on va dire, ils ont l'impression qu'on les agresse, voyez ce que je veux dire? Alors on prend un petit peu de recul, on tempère sa façon de voir et de faire les choses pour notre jeudi, les amis. Vendredi. Vendredi, nous avons le retour. Alors le retour peut être tout simplement un recommencement de quelque chose, un renouvellement d'une situation. Peut-être aussi que si vous avez, par exemple, demandé quelque chose qui doit être réactivé, on voit très bien que ça va être positif. Là, c'est réactivé. Pour d'autres, il peut être tout simplement histoire le retour de quelqu'un également ou d'une situation qui est peut-être pas forcément, on va dire, bien perçue, voyez, par rapport à ce serpent. Alors, bien entendu, c'est peut-être pour ça qu'il faut être prudent. On sentait arriver un retour de situation ou simplement un retour de quelqu'un. Justement, on reste prudent. D'où ce côté, je pense que on le sentait, puisque les énergies n'étant pas figées dans le temps, hein, on devait avoir sa petite voix et se dire, oh, attention, je sens que ça va revenir. Enfin, je sens que, voilà. Eh bien, on ne s'est pas trompé. Vendredi, on est bien dans une énergie de retour, dans une énergie de réapparition, où tout simplement, vous allez prendre un contre-coup aussi par rapport à une situation que vous aurez peut-être apprise, qui n'a pas été bien assimilée dans la semaine. Et du coup, il y a un petit peu ce contre-coup qui apparaît vendredi. Voilà déjà ce que l'on pouvait voir, les amis. Alors, on va regarder avec notre petit Lenormand. Pour notre semaine du 18 au 22 décembre, Taureau, Vierge, Capricorne, 18 au 22. À la coupe, nous avons la discussion. Pour vous, ma consultante, il va être question d'échanger, de discussion, peut-être justement de ces fameux secrets que l'on a vu qui allaient être dévoilés ou dont on allait parler. En tout cas, c'est quelque chose de lumineux. Beaucoup d'émotions, effectivement, mais il y a une mise en lumière, hein. Mais il y a une mise en lumière qui peut effectivement apporter de la gaieté, de la joie, du soulagement, sans doute. Il est question d'avoir des échanges très constructifs, très intéressants et qui mettent en joie. Allez, deux professionnels, activités de tous les jours, de finances, de sentimental, émotionnel et de inattendu, imprévu. Et on voit au dos ce livre, ces informations que l'on va apprendre. Ces informations peuvent venir d'une finance ou de tout simplement d'une situation, d'une personne, on va dire, ça peut être un patron également. On va apprendre quelque chose en tout cas, ou peut-être on va apprendre de la finance, quelque chose qui vient à vous en fait, hein. Il est question effectivement de courrier, peut-être d'informations liées aux finances qui vont arriver à vous. Il y a beaucoup d'échanges, on les retrouve, des échanges qui peuvent être en lien avec les finances. Vous pouvez recevoir la visite aussi de quelqu'un, et on voit très bien des discussions qui vont être là. Des discussions qui vont être, on va dire, agréables. Vous pouvez prendre connaissance également d'un courrier, d'informations concernant vos finances qui visiblement vous mettent en joie, les amis. Alors, professionnel, eh bien, dans le professionnel, dans votre activité, autour de vous, vous avez quelqu'un de sympathique. Vous avez une personne là sur laquelle vous pouvez compter. Vous travaillez avec un collègue très agréable. Très, on va dire, ben oui, très agréable, voilà, il va sans dire, hein. Vous pouvez mettre en place des choses, en tout cas, qui sont plutôt, on va dire, intéressantes, qui sont très, très bien. On voit qu'il y a une collaboration, en tout cas, très amicale au niveau de votre travail. Votre travail compte, là, hein, j'ai l'impression qu'il est mis en avant pour cette semaine. Vous allez, du coup, être un petit peu astucieux pour certains, au niveau professionnel également. Vous pouvez, dans une certaine démarche, être également astucieux, dans le sens où vous pouvez regarder les choses différemment. Vous pouvez peut-être être méfiant sur une situation également que vous avez mis en place. Il semblerait que dans la vie de tous les jours également, vous travaillez, vous êtes en activité avec des gens qui sont sympathiques, des amis. Toutefois,
ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Toutefois, il se peut que pour certains d'entre vous, autour de vous, il y ait un ami qui ait un regard, qui est, on va dire, qui le joue dans le charme, qui le joue dans le... mais qui est faux. Voilà, j'étais en train de chercher mes mots. Il y a une certaine fausseté autour de lui. Vous voyez comment ça vous parle. Hein? Alors, les finances. Les finances, il y a des solutions. Amis taureau, vierge. Des solutions qui sont là, qui sont actées. Des solutions qui vont être également envisagées toutes en sagesse. Des solutions des possibilités, en fait, qui vont vous arriver ou d'un côté complètement légal, officiel, ou bien tout simplement, vous avez été patient, vous avez su mettre en place quelque chose, une solution concernant vos finances. On voit que vous êtes prudent et peut-être encore amené à un petit peu de patience, mais en tout cas, on voit très bien que par rapport à... une problématique que vous avez pu rencontrer, des solutions vous sont trouvées, vous sont amenées, et en plus on voit très bien que du coup c'est la sagesse qui s'installe autour de vous. Il y a comme vous avez été patient, la clé c'est également la patience. Donc peut-être vous demande-t-on encore un peu de patience tout en sachant qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser, qui va se mettre en place tranquillement. Sentimentalement, il y a des échanges là, hein, sentimental. Ouh. Alors, nous avons de beaux échanges, des messages. Nous avons, peut-être c'est dans le couple aussi, hein, ou peut-être en tout cas à deux. Si vous n'êtes pas concerné au niveau du couple, c'est tout simplement que il y a des échanges lors d'un pour un contrat, pour quelque chose qui émotionnellement vous touche beaucoup. C'est pour ça qu'il est là, ou vous engage, vous voyez. Alors là, on est peut-être sur un engagement, un mariage, un accord, une union, une promesse. En tout cas, il y a quelque chose de plutôt beau qui se passe. Vous avez le sentiment quand même que votre relation, elle est au top top là. Hein. Il y a de beaux messages d'amour. Hein. Que ce soit célibataire, en couple, avec quelqu'un, on a des échanges là, plutôt sur côté très romantique. J'insiste. Si vous n'avez personne dans votre vie, vous vous engagez là sur une signature, un contrat. Il y a un engagement qui émotionnellement vous touche. L'imprévu. Ah, attention, attention à notre serpent, à un petit peu de malhonnêteté qui peut arriver d'un organisme. Ou c'est tout simplement également, il peut arriver d'une famille, de la famille éloignée. Soyez prudents. On voit également que vous prenez beaucoup de hauteur hein, par rapport à éventuellement ce souci. Alors, ça peut être un souci, tout simplement, vous recevez d'un organisme à laquelle vous attendiez une réponse, ça ne va pas dans votre sens, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est simplement le sentiment d'être injuste envers vous. Sentiment d'injustice que vous pouvez avoir également. On voit aussi que vous pouvez vous retrouver avec... utiliser des moyens autour de vous qui sont peut-être pas conventionnels, c'est-à-dire être malin pour arriver à quelque chose dans une situation des plus officielles. Eh bien, peut-être que en fait, on utilise un chemin, on va dire, détourné hein, pour arriver à ses fins. J'en remets une. Hein. Ça va bouger, hein, les amis. Hein. Il est question, effectivement, d'avancer, de bouger, peut-être de déplacement. Alors, est-ce que également vous allez faire un déplacement ou autour d'un déplacement, il y a un truc qui va quand même vous travailler. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous déplacer d'ailleurs. Peut-être que vous allez voyager avec une femme et ça peut, j'ai envie de dire, poser une difficulté. Ou alors, tout simplement, vous allez devoir voyager pour aller voir une femme et ça ne vous emballe pas. Ça peut être en lien avec la famille éloignée, hein, je le maintiens. On peut voir aussi que par rapport à un déplacement, vous avez un sentiment de... alors, je ne veux pas dire d'injustice, hein, mais il y a quelque chose qui coince avec ce déplacement. Voyez un peu comment ça vous parle. Alors, c'est en lien avec une femme, mais j'ai l'impression que... il y a quelque chose qui tourne par rond autour d'une femme. Vous avez peut-être envisagé également pour certains, comme une croisière, voyez, un voyage... qui peut de ce fait être agréable, mais
En même temps, il y a quelque chose qui vous chiffonne. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un voyage d'affaires. Ça peut être aussi un voyage en lien avec votre travail et du coup, ça tombe mal, c'est pas bien perçu. Vous voyez ce que je veux dire? Un déplacement professionnel qui n'arrive pas à bon port. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On peut aussi avoir un courrier, un jugement, quelque chose qui est rendu, qui vient de très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce qu'on peut déjà voir, les amis. Bon, on va regarder par signe, si vous le voulez bien. Alors, on va démarrer par nos amis taureaux. Voilà, j'installe mes cartes. Alors, amis taureaux, pour cette semaine du 12, du 18 au 22, eh bien, on va regarder quel est le message des fées. Ah, eh bien, la sautée. Qu'est-ce que nous avons? Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidables. Les amis, montrez-vous. À un moment donné, il faut montrer qu'on est là, qu'on existe, qu'on est capable de décider aussi, hein, qu'on est capable d'exprimer des choses et surtout, eh ben, d'être écouté. Vous voyez ce que je veux dire? D'être écouté, d'être entendu et de s'apercevoir qu'en fait, on est capable de. On se cache parce qu'on a peur. Mais non, on rayonne, on est. Voilà. Si vous avez tiré cette carte aussi, c'est parce que. Socialement, peut-être quelque chose qui vous préoccupe. La peur de ne pas être accepté, vous voyez? Non, pas du tout. Là, les fées, elles vous disent, eh ben, il faut célébrer vous célébrez vous, votre caractère. Chaque personne a un caractère unique et tel que l'on est, on est charmant, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on s'exprime, on ne se cache pas, on se montre ami taureau. Allez. Semaine du 18 au 22. 18 au 22. 18 au 22. Alors, activité professionnelle, famille, foyer, l'inattendu, comment vous allez agir et l'aboutissement. Ah, nous voyons la jalousie autour de vous, hein. Il y a quelque chose qui a fait que ça vous a bloqué, ça vous a coincé. Bon, il y a une mise en lumière qui arrive, les amis. Donc, mise en lumière, c'est que du bonheur. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être également par rapport à un contrat, comme on a pu le voir tout à l'heure, ou quelque chose que l'on décide à deux. En tout cas, si tumulte il y a eu, si X personnes vous ont coincé, la mise en lumière, elle est là et les choses s'arrangent. Du coup. N'oubliez pas de vous exprimer, de montrer tel que vous êtes. Alors, professionnel, nous sommes sur un nouveau départ. Quelque chose de nouveau se profile à vous, que ce soit professionnel ou que ce soit dans votre vie de tous les jours, dans une activité, hobby, quelque chose que vous aimez, que vous souhaitez mettre en place. J'ai l'impression qu'on a envie de changer, de voir les choses différemment. Maison, famille, foyer, il y a du bonheur, les amis, il y a de la joie. La joie, le bonheur est au rendez-vous. L'inattendu. L'inattendu, c'est un certain retard dans une situation où on va vous demander encore un délai. On l'a vu dans les jours de la semaine, hein. Il est bien question de la temporalité. Il y a un certain délai qui va vous être demandé. Comment vous allez agir? Alors, on voit que c'est pour vous, ma consultante. Bon, ça ne va pas beaucoup vous perturber parce que visiblement, vous allez être tranquille, calme. Et la finalité, c'est un contrat à la clé. C'est quelque chose qui arrive. Si c'est professionnel, on a demandé un changement. Il a du retard. Il va arriver. On va signer. On va s'engager. Il y a quelque chose de beau. Il y a un changement. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Certes, un petit peu de retard. C'est dans l'imprévu. Mais en tout cas, tranquille, zen, puisqu'on signe. C'est une belle semaine pour vous, amis taureaux. Allez. On termine avec une petite carte des guidances étoilées. La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Beau message, ami taureau.
Nous passons à nos vierges. Quel est ce message des fées pour nos amis vierges? Message des fées pour nos amis vierges. Allez, un message s'il vous plaît. Il y en a deux. Au revoir. Passé, bonjour, l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore bien meilleure. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Amis vierges, on part sur quelque chose de nouveau là. Fini le passé, on regarde devant soi. Nouvelle phase, nouveau début, on accepte ce changement. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. On y va, on avance. Peut-être avez-vous fait effectivement des changements au cours de cette année, au cours de ces mois, de ces semaines. Et là, c'est parti, on y va. Hop, regardez. Transformation, évolution, la fin du cycle, les amis. Bon, donc, c'est bien ce que les fées viennent de nous dire. Il y a très longtemps que je ne l'avais pas pris, ce jeu. Je suis trop contente. Il est très parlant, les fées. Alors, regardez, ça continue. Déménagement, nouveau départ. Amis vierges, il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de changements pour vous. Hein. Activité professionnelle ou activité du moment. Famille, maison, foyer. L'inattendu, comment vous allez agir. L'aboutissement et au dos, nous avons une certaine dualité ou une compétition. Peut-être que c'est avec vous-même, hein, d'ailleurs. Hein. Hein, c'est pas, ces deux cartes ne sont pas tombées par hasard. Hein. Revoir passé, bonjour à venir et accepter cette situation. Accepter vos sentiments qui sont peut-être contradictoires. Hein, ça peut-être mélange au niveau de l'état d'esprit, le mental a peut-être cogité. Regardez ça, les jours heureux qui arrivent avec la victoire, les amis. Hein. Activité professionnelle, activité du moment. Et bien voilà, l'avenir tout tracé. Certains ont peut-être fait des changements en cours de temps, en cours de cette année, ces derniers mois, ces dernières semaines. Vous avez peut-être encore envie d'envisager le futur différemment. Eh bien, il est là. C'est tout tracé. Dans la maison, dans la famille, waouh, une tranquillité retrouvée. Quelque chose de beau. L'inattendu. L'inattendu a été qu'à un moment donné, on voit qu'il a été stressé. On voit que peut-être on n'a pas su comment on allait agir. On était un petit peu enfermé dans un état d'esprit. Alors, comment vous allez agir? Eh bien, vous avez fait un gros travail là-dessus et vous récoltez le fruit justement de votre travail. Et la finalité de tout ça, c'est que ça vous a retardé, bien entendu. Il y a eu un certain temps, mais en tout cas, les choses avancent, les amis. Et c'est bien pour vous, mon consultant, que les choses évoluent. Regardez ça. Gros soutien. Il a peut-être fallu, à un moment donné ou à un autre, comme on était partagé au niveau du mental, on ne savait pas si on faisait bien ou mal, ou s'il fallait accepter ces changements. Peut-être a-t-on demandé un coup de pouce, un coup de main. Ça peut venir sous toutes ses formes, hein, d'ailleurs, hein, ce coup de pouce et ce coup de main qui explique qu'on va retrouver une belle tranquillité, les amis, avec une destination nouvelle. Un petit message des guidances étoilées. Le printemps, il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt à accueillir le changement. Fais éclore les projets, donne leur vie, c'est le bon moment. Amis vierges, je pense que les messages sont clairs. Allez, on termine avec le Capricorne. Amis Capricorne, semaine du 18 au 22. Ça, eh bien, on les prend. Amis Capricorne, la vie amoureuse est une des préoccupations. Votre question repose surtout sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Et le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. L'odeur également. Le pouvoir des fleurs, c'est également l'odeur, la beauté, les choses comme ça qui mettent du sens à la vie. Alors, la vie amoureuse, j'ai l'impression qu'elle vous a perturbé peut-être ces derniers temps. Visiblement, elle est en train de s'améliorer, tout simplement. On voit aussi que... on a peut-être tout simplement besoin d'équilibre. Alors, les fleurs, oui, c'est un équilibre, hein, mais il n'y a pas que. Si vous avez un jardin, eh bien,
On va passer peut-être un petit moment dans son jardin. On est dans une période où il n'y a pas beaucoup de fleurs, bien entendu. Alors, si au pire, ce que nous conseillent les petites fées, si c'est possible, monsieur, d'aller chercher un petit bouquet de fleurs dans les magasins discount ou autre, vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chez les fleuristes. Hein. Et puis, ben voilà, on entoure sa maison de petites fleurs, on respire le parfum des fleurs, ou tout simplement un parfum odorant qui nous fait du bien et qui nous enveloppe, tout simplement. Vous voyez, une douce essence. C'est tout simplement, vous pouvez utiliser aussi de l'huile essentielle, hein, l'huile essentielle de rose, par exemple. Ça ouvre votre cœur à l'amour, puisque je dis ça, puisque je vois que l'amour est tombé. Mais vous pouvez aussi utiliser quelques gouttes d'essence. De lavande, l'huile essentielle de lavande, une petite goutte ou deux sur vos oreillers, ça sent superbement bon, ça fait du bien au mental, les amis. Allez, c'est un beau petit message, petit conseil des fées, ça. C'est parti, amis Capricorne. Semaine du 22, du 18 au 22, je vais y arriver. 18 au 22. Qu'est-ce qui est tombé? Alors, il y a eu peut-être un petit moment d'angoisse. Il a pu être sentimental, émotionnel. Hein. Activité du moment. Professionnel, maison, famille, l'inattendu. Comment vous allez agir et l'aboutissement. Et on voit qu'il y a eu un coup de pouce, un coup de main avec un homme ou en lien avec un homme en tout cas. Parce que peut-être qu'il était question d'attendre encore ou d'avoir un petit délai. Il y a peut-être eu un petit souci à un moment donné avec un homme hein, qui a retardé les choses. On peut voir qu'effectivement vous avez fait un gros travail ou c'est même cet homme qui a fait un gros travail. Hein, parce qu'à un moment donné, il y avait peut-être un enfermement, une situation qui ne fonctionnait pas bien avec lui. Ou en lien avec lui. En tout cas, on voit bien que vous démarrez un nouveau projet. Peut-être également qu'il est question de travail, d'activité professionnelle pour cet homme. Pour X raisons, voilà, il y avait un problème. Et on voit très bien qu'on démarre un nouveau cycle. L'activité professionnelle, justement, l'activité du moment, il y a un coup de chance. Il y a de l'inattendu qui se présente à vous. On voit bien qu'il y a eu un délai, il y a eu un coup de... Il a fallu attendre quelque chose sur une situation professionnelle qui peut être en lien avec un homme autour de vous. Hein. Maison, famille, foyer, il y a eu des difficultés, on en sort, les amis. Comment vous allez... l'inattendu. L'inattendu a été un coup de pouce. Quelque chose qui fait que vous avez récolté enfin les fruits de votre travail, puisque c'est arrivé là. Mais ça peut être également au niveau financier. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de complètement surprenant qui s'est présenté à vous. Hein. Et vous avez agi de façon très officielle, tout simplement. Vous avez peut-être acté un accord. Et on voit que la finalité, c'est que vous retrouvez un certain repos. Ça peut être en rapport avec des vacances, un arrêt de travail, par exemple. Quelque chose de ce genre. Hein. Mais en tout cas, on voit très bien qu'il y a l'inattendu qui se présente à vous. Enfin, le repos qui arrive. On sort de ces difficultés. Parce qu'on... Ça, c'est mon téléphone. Parce qu'on officialise quelque chose et enfin, on retrouve son repos bien mérité. Hop. Un petit message pour nos amis Capricorne. S'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays? Dans quelle terre? S'ancrer, les amis. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance de la semaine du 18 au 22 vous aura parlé, vous parlera. En tout cas, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, votre gentillesse. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur pour votre semaine de préparation de fête. Je vous souhaite d'agréables fêtes, d'une bonne semaine. N'hésitez pas donc à partager, à mettre un pouce j'aime pour ne louper aucune vidéo. Pour ma part, je vous dis à bientôt.